Milieu terrain, il y a Cheikh Fall, Amadou Diop et Oumar Gueye Sène. Et en attaque, ailier droit, Joseph Koto. Ailier gauche, Thierno Noyoum. Et avant-centre, Jules Bokondé. Et voilà l'ovation. Et voilà l'ovation terrible qui souscrit à la composition de l'équipe du Sénégal. Cela veut dire ce que cela veut dire. En présence, vous l'imaginez, d'un stade dans lequel vraiment, au terme de ces 82 minutes, on devrait le revoir réouvrir grand devant lui le chemin du continent africain. C'est notre souhait le plus absolu, simplement parce qu'il y a encore des générations et des générations. Des générations de corps, une meute de photographes, de journalistes. Je vous laisse observer le temps qui monte. Oui, 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 effectivement, Abdoulaye. Juste, il s'avance tout près de nous, en Camara. Et Alain Gérard, Midi Mono, le trio guinéen. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de nous tenir debout dans cette tribune de presse? Ah, Abdoulaye, vous allez vous tenir debout, mais pas nous, hein. Pour une première fois, on va être obligé de nous tenir debout. Alors, nous n'allons pas nous tenir debout. De la première à la dernière minute, en souvenir à mon ami absent Jérôme Diouf, qui aimait lui se tenir debout dans des matchs comme celui-là. Mais voilà que nous sommes obligés de nous tenir debout autrement. Ah oui, je crois qu'Abdoulaye... On ne verra presque rien. Et vous êtes... Les arbitres sont dans le rond central. On attend encore le tirage des toasts. Les étrangers à la partie vont sortir. Je fais allusion à cette meute de photographes et surtout de journalistes. Alors que du côté de Zimbabwe, on nous apprend que l'événement est retransmis en direct également à la télévision. Évidemment, du côté également d'Harare, personne en ce moment n'est dans les rues, alors que... Cadence du Casasport que vous connaissez bien, Abdoulaye Diaw. Et je dirai à ces jeunes du Casasport, merci. Alors, merci. Si vous ne savez pas comment cela se dit en Mandingue, merci, peut-être. Alors, vous disiez... Balabas va nous appeler pour nous le dire. Voilà, ou alors je vous dis Al Nimbara, n'est-ce pas? Voilà, Al Nimbara. Bien. Les supporters du Casasport, debout sur la ligne médiane, exactement comme s'il s'agissait du Casasport. Mais en fait, il s'agira aussi du Casasport, ouais. Pourquoi pas. Alors que les Lions ont fini tout juste de sortir de leurs survêtements. Ils sont tous de blanc vêtus, maillot, culotte et bas, bien sûr, tout est blanc aujourd'hui dans le camp des Lions pour aborder cette rencontre contre le Zimbabwe. Voilà, et Amadou Diop qui appelle ses partenaires à nouveau vers la ligne médiane. C'est un grand moment que nous allons vivre, et ceci n'est pas sans me rappeler cet après-midi-là, sous les yeux de Baté Faldjeye et de Magip Sen, que lorsqu'il s'est agi de rencontrer le Liberia, puisque la dernière équipe que nous avons eu à rencontrer pour nous ouvrir les portes d'une Coupe d'Afrique des Nations sur le chemin du d'Asmara, c'était le Liberia, que nous avions battu cet après-midi-là par 4-1, je me rappelle comme si c'était hier. Non, rejaillit toujours celui de Wolfel. C'était l'ailier gauche de l'équipe du Liberia qui avait été très bon et que Yirim Diagne avait fini par mettre dans sa poche tout au long de la partie. Alors que pour cette première mi-temps, l'équipe du Sénégal va attaquer le but de la mort.